Bien, nous allons quitter le rein pour monter vers le cerveau. Et je vais vous présenter en quelques mots le professeur Laurent Nguyen, qui est notre prochain orateur. Il est docteur en sciences biomédicales, expérimentales et chercheur qualifié du FRS-FNRS. Après avoir réalisé une thèse de doctorat en neurobiologie du développement sous la direction de notre second vice-président, le professeur Gustave Mounen à l'ULG, il a décroché une bourse de recherche MBO pour effectuer un stage postdoctoral dans le laboratoire du docteur François Guillemot au National Institute for Medical Research à Londres. Il a également séjourné au Canada dans le laboratoire du docteur Carole Schurmans à l'Université de Calgary. Actuellement, le docteur Nguyen dirige le laboratoire de régulation moléculaire de la neurogenèse au Giga Neurosciences à Liège. Et avec son groupe, il étudie les mécanismes cellulaires et moléculaires qui régissent la formation du cortex cérébral. Il est l'auteur, bien sûr, de nombreuses publications de haut niveau. Il a été récompensé de nombreux prix. Le dernier lui a été remis par Son Altesse Royale, la Princesse Astrid, puisqu'il a reçu tout récemment le prix Simone et Pierre Clerdan, qui lui a été remis à Colonster, voici quelques semaines. C'est donc avec plaisir que je lui passe la parole, et il va nous parler de migration neuronale dans le cortex cérébral en développement. Monsieur Nguyen, à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, chers confrères. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui et un honneur. J'aimerais vous parler aujourd'hui de travaux réalisés au sein de mon laboratoire qui ont trait au contrôle moléculaire de la migration neuronale dans le cortex cérébral pendant le développement. Comme vous le savez, le cortex correspond à l'écorce du cerveau et chez l'homme mesure une épaisseur de quelques millimètres. Cette structure est divisée en différentes régions, appelées lobes, parmi lesquelles on retrouve des zones fonctionnelles comme le cortex moteur primaire, le cortex somatosensoriel, des aires importantes pour l'audition, pour la vision, l'olfaction ou encore le langage. Les autres régions font partie de ce qu'on appelle le cortex associatif. Une coupe coronale à travers cette structure nous permet d'apprécier l'histologie du cortex. Vous avez ici deux demi-sections à travers le cerveau de l'homme ou de la souris. Cette petite région représente une partie du cortex. Le cortex est une structure laminaire. Il est composé par des couches successives de neurones, 6 couches. Et les neurones qui appartiennent à la même couche partagent dans une certaine mesure des caractéristiques moléculaires et physiologiques. Au début du siècle dernier, le prix Nobel de physiologie et de médecine, Ramon y Cajal, fut le premier finalement à décrire la diversité neuronale qui compose le système nerveux central. Et en l'occurrence ici, grâce à des marquages de type Golgi, vous pouvez apprécier la grande diversité de morphologie des neurones qui peuplent le cortex cérébral. De nos jours, nous savons qu'il existe une multitude de différents types, de différentes classes de neurones, que je diviserai en neurones excitateurs et neurones inhibiteurs. Pendant le développement embryonnaire, chez l'homme, mais également chez la souris, ces neurones naissent à partir des régions dites périventriculaires, là où se trouvent des cellules souches et progénitrices qui génèrent des vagues successives de neurones. La plupart des neurones sont les neurones excitateurs, en vert ici. Ce sont des neurones de projection qui utilisent le glutamate comme neurotransmetteur principal. Ils naissent localement, dorsalement dans le cerveau antérieur, à partir de ces cellules souches dont je vous ai parlé. Ils migrent ensuite une distance relativement courte, par migration de type radiaire, et s'installent dans les différentes couches du cortex. Ce sont des neurones de projection, donc ils ont des axones qui projettent à distance dans le cortex ou dans des régions sous-corticales comme la moelle épinière. 20% des neurones, les neurones restants du cortex, sont des interneurones inhibiteurs, nés dans la partie ventrale du cerveau antérieur, appelée éminence ganglionnaire. Ces neurones migrent de longues distances, selon des chemins tangentiels,
pour atteindre le mur cortical en développement et s'intégrer localement dans des réseaux. Il s'agit de neurones inhibiteurs qui utilisent le GABA comme neurotransmetteur principal. Et donc, il existe une balance excitation-inhibition qui est importante pour le bon fonctionnement du cortex. Et dans certaines maladies caractérisées, par exemple, par de l'épilepsie, eh bien, il y a parfois un déficit d'inhibition parce que ces neurones, par exemple, ne sont pas produits correctement ou ne s'intègrent pas ou ne se différencient pas de façon ad hoc dans la structure. Finalement, on peut faire un parallélisme entre le programme génétique du développement du cortex avec le plan de l'architecte. En effet, si une erreur se glisse dans le plan, une erreur de dessin se glisse dans le plan, on peut avoir des problèmes de stabilité et aboutir, par exemple, à l'effondrement d'un bâtiment. Finalement, des mutations de gènes importants pour le contrôle de la mise en place des structures du cortex cérébral peuvent également aboutir à des malformations corticales qui sous-tendent des maladies neurologiques. Voici par exemple la lysencéphalie. En effet, je vous ai montré que l'aspect du cortex est plissé, il y a des circonvolutions chez l'homme. Et bien dans cette maladie, le cortex est lisse. Et vous voyez ici également un élargissement des ventricules. Et nous savons que chez ces patients, souvent il y a des mutations dans des gènes qui codent pour des protéines importantes pour la régulation de la migration des neurones. Une autre malformation assez fréquente, relativement fréquente, est la microcéphalie. Microcéphalie, le patient présente évidemment une réduction de la circonférence de sa tête, mais également une réduction majeure de la taille du cerveau, qui toutefois conserve une architecture globale conservée. Nous savons que parmi les microcéphalies primaires à caractère héréditaire, il y a des mutations qui touchent des gènes importants pour le contrôle soit de la production des neurones, il y a moins de neurones générés par les cellules souches, ou par la survie. En fait, ces neurones générés ne survivent pas correctement. Il y a donc un déficit neuronal important qui crée cette microcéphalie chez l'homme. Au laboratoire, nous utilisons principalement comme modèle animal la souris. Nous couplons également ces études avec des études réalisées sur des cellules souches pluripotentes induites humaines. Mais je vous parlerai aujourd'hui des souris. Alors pourquoi la souris? Parce que c'est bien sûr un modèle où on peut facilement, ou relativement facilement, manipuler l'expression des gènes. Le temps de gestation est rapide, ce qui nous permet d'avoir accès à des embryons. Et le développement cortical est relativement proche de celui de l'homme. Et vous avez ici une belle tomographie qui vous montre un embryon au stade E12, au jour embryonnaire 12. Et l'intérêt ici est de voir cette structure qui est le cerveau antérieur, les vésicules télencéphaliques qui deviendront le cortex. Alors, je vais essayer de vous passer le film. Alors, comme ça, vous pouvez apprécier la structure en trois dimensions. Par exemple, on peut utiliser la souris pour analyser des défauts de migration. Ici, c'est une mutation dans un gène qui code pour la double cortine, dont on sait que chez l'homme, elle est impliquée dans la lysencéphalie. Voici un travail du laboratoire non encore publié, où la mutation d'un gène induit une microcéphalie chez la souris. Alors, nous allons bénéficier, parce que je vais vous parler maintenant de migration neuronale, d'une découverte qui a été faite il y a quelques années, qui est la protéine fluorescence verte, qui a été clonée à partir d'une méduse et qui peut être exprimée de façon spécifique et conditionnelle dans le cerveau, par exemple, de la souris. Et ça permet, par exemple, de tracer certains types neuronaux. Donc nous allons utiliser des souris transgéniques, mais également une technique qui nous permet de moduler de façon spatiale et temporelle l'expression des gènes dans le cerveau des embryons murins pendant la gestation. Il s'agit de l'électroporation in utero. Et donc l'idée est d'injecter des plasmines pour permettre de moduler, par exemple, surexprimer certains gènes en présence de la GFP, ce qui nous permet ensuite de tracer les cellules qui ont été électroporées, transfectées. Vous voyez ici, par exemple, une électroporation qui est réalisée au jour E14. 3 jours plus tard, vous avez ici un cerveau qui est disséqué et qui vous montre le patch de cellules vertes qui est la région qui a été électroporée. Une coupe à travers cette région vous montre le cortex et la corde de cellules qui a été ciblée. Et donc, il est possible de surexprimer des gènes, mais également
d'induire une réduction de l'expression de certains gènes par ARN interférence. Avec cette technique, nous sommes capables d'analyser le mode de migration des neurones de projection ou des interneurones. Je vais essayer de nouveau de vous montrer. Voilà, donc ceci, c'est la migration radiaire des neurones de projection. Vous avez les cellules souches qui se trouvent ici. Et vous allez vous rendre compte que la migration des interneurones est un peu différente. Donc la migration, excusez-moi, je vais arriver, tangentielle des interneurones, vous voyez qu'ils se déplacent de façon tout à fait différente. Et donc grâce à cette GFP et à ces techniques de modification de l'expression des gènes, nous pouvons suivre le comportement dynamique des neurones pendant le développement du cortex. Donc je vais diviser l'exposé en deux parties expérimentales. La première, donc, ce sont des recherches qui ont été menées au sein de mon laboratoire, a trait à la régulation de la migration des interneurones corticaux. Et puis je vous présenterai une autre recherche qui concerne le contrôle moléculaire de la migration des neurones de projection, les neurones excitateurs. Mais démarrons d'abord avec les interneurones. Pour rappel, ces interneurones sont générés, produits dans la partie ventrale du cerveau antérieur pendant le développement. On parle d'éminence ganglionnaire médiane et caudale. Vous voyez que les chemins de migration sont très complexes et sont remodelés de façon dynamique pendant le développement cortical. Sur un même plan de migration tangentielle, vous pouvez observer une dispersion multidirectionnelle de ces interneurones de façon à peupler de façon relativement homogène certaines régions du cortex. Alors cette migration d'interneurones dépend d'une collaboration d'un dialogue entre des signaux environnementaux et des régulateurs intrinsèques. En effet, parmi les signaux environnementaux, il y a des molécules chémo-attractantes ou chémo-répulsives qui finalement dessinent ces chemins de migration. Les régulateurs intrinsèques, et la liste n'est pas exhaustive, sont importants pour contrôler le comportement dynamique de ces interneurones. Et j'y reviendrai. Et la plupart d'entre eux influencent de façon directe ou indirecte le remodelage du cytosquelette, de microtubules et d'actines. Laissez-moi vous parler de P27. P27, comme vous le savez probablement, est une petite protéine qui promeut la sortie de cycle en inhibant l'activité de CDK, CDK2 en l'occurrence. P27 fait partie d'une famille, la famille CYPKIP, comportant également P21 et P57. Nous avons montré il y a quelques années que P27 possédait des fonctions indépendantes de la régulation du cycle. En effet, nous montrons que P27 est exprimé dans des cellules post-mitotiques, après la sortie du cycle. Et comme vous pouvez le constater sur cette image, voici une immunohistochimie sur un cerveau d'une souris rapportrice, c'est un embryon AE14, rapportrice parce qu'elle exprime la GFP dans tous les interneurones. En rouge, P27 est exprimé dans le noyau de ces cellules, mais également dans le cytoplasme. Peut-être un peu difficile à voir d'où vous êtes, mais ce qui est important, c'est que ces cellules ne prolifèrent pas. Elles sont en train de migrer et de s'installer dans le cortex. Ça suggère que P27 puisse jouer des rôles indépendants de la régulation du cycle et peut-être être impliqué dans le contrôle de la migration. Cette hypothèse, nous avons décidé de la tester en utilisant différentes approches expérimentales, et je vous parlerai d'une seule approche. C'est une approche transgénique. En fait, nous utilisons des croisements de souris nous permettant d'invalider de façon conditionnelle P27 dans les interneurones post-mitotiques. En croisant des souris pour lesquelles le locus de P27 est loxé avec des souris rapportrices qui expriment l'ACRE fusionné à la GFP, ce qui nous permet de tracer les neurones en même temps, sous la dépendance d'une séquence régulatrice de gènes importants pour le développement des interneurones, nous pouvons suivre ainsi des cellules post-mitotiques, des interneurones invalidés pour l'expression de P27. Et vous avez ici la démonstration que le modèle fonctionne puisque nous observons une expression mutuellement exclusive de P27 et de la GFP et donc de la CRE. Avec ce modèle, nous avons étudié la migration des interneurones. Alors voici un dessin représentant une demi-section coronale à travers le cortex, en plutôt devrais-je dire le cerveau antérieur de la souris embryonnaire AE12. Et nous sommes à AE12, moment auquel la première vague d'interneurones pénètre dans le cortex. Vous avez ici le cortex, la partie ventrale, et cette frontière qui est appelée frontière cortico-striatale.
ou pallial, subpallial. Et nous mesurons donc le pourcentage de cellules qui passent dans le cortex et qui proviennent des éminences ganglionnaires. Vous voyez qu'en l'absence de P27, il y a une réduction significative du nombre de cellules qui pénètrent le cortex, et ceci à différentes régions rostrocaudales. Cette réduction du nombre de cellules s'accompagne en fait d'une diminution de la vitesse de déplacement des interneurones dépourvus d'expression P27. Alors, nous avons tenté de mieux comprendre pourquoi cette réduction de vitesse avait lieu en l'absence de P27. Donc, je vous rappelle que l'interneurone migre de façon tout à fait particulière et implique des changements morphologiques extrêmement importants. Donc, vous avez ici la direction de migration, le soma, le noyau, une petite région cytoplasmique qui s'amplifie, qui migre dans le processus de guidage, dans laquelle on retrouve également les centrioles et l'appareil de Golgi. S'ensuit ensuite une translocation extrêmement rapide du noyau, on parle de nucléokinèse, et d'un branchement du cône de croissance pour former des branches dichotomiques qui s'éliminent progressivement et se reforment pour diriger la cellule dans le parenchyme cortical. Et donc voici un film vous montrant le déplacement de ces interneurones dans le parenchyme cortical. Donc vous voyez que ce schéma représente la réalité. Pour résumer, lorsque P27 n'est pas exprimé dans ces neurones, nous observons une augmentation de la fréquence de la nucléokinèse, donc cette translocation rapide du noyau vers la partie cytoplasmique ici. Mais cette fréquence de nucléokinèse s'accompagne également d'une réduction de la distance de déplacement du noyau. Nous observons également un problème de branchement du processus de guidage. Il y a une augmentation de son branchement et les branches qui en résultent sont extrêmement instables. Donc finalement, la cellule invalidée pour P27 nous apparaît comme étant plus petite et extrêmement branchée. Ceci explique probablement la moins bonne efficacité de migration de ces interneurones lorsque P27 n'est pas exprimé dans ces cellules. Nous avons démontré qu'il y avait une colocalisation intéressante entre P27 et une petite GTPase appelée ROA, que vous voyez ici. Par immunoprécipitation, nous montrons également une interaction physique entre ces protéines. Et en fait, nous avons pu observer que l'interaction de P27 sur cette petite GTPase connue pour réguler la motilité empêchait l'activation de cette GTPase par CGF. Et ceci est montré par cette immunoprécipitation où vous voyez une bande plus importante dans du tissu lorsque P27 n'est pas exprimé, cette bande correspondant à la forme activée de ROA dans le système. Donc nous pensons que P27 exerce un rôle de frein sur la transduction d'une voie de signalisation impliquant ROA et aboutissant à la régulation de la nucléokinèse et du branchement dynamique de ces cellules. En fait, il s'agit d'un contrôle fin de l'activité de la myosine 2. La myosine 2 est une myosine non musculaire qui se déplace sur les filaments d'actine et qui est importante pour les contractions d'actomyosine. Ces contractions que vous voyez en bleu sont importantes elles-mêmes pour pousser le noyau dans le processus de guidage durant la nucléokinèse. Alors la myosine 2 est composée de différentes sous-unités, une sous-unité lourde et deux petites sous-unités, dont une sous-unité de régulation qui doit être phosphorylée pour activer le complexe. Il s'agit de la MLC2, la chaîne légère de type 2. Alors, vous pouvez voir que sa distribution est assez homogène dans l'interneurone, il s'agit d'un interneurone, ce qui suggère que la myosine est localisée partout, mais son activation, que l'on peut observer par la phosphorylation, enfin en tout cas le marquage de la forme phosphorylée de la chaîne légère, est localisée à l'arrière du noyau et au niveau des branchements nouvellement formés. Exactement là où on s'attend à avoir un problème, puisque c'est la nucléokinèse et le branchement qui sont altérés lorsque P27 n'est pas exprimé dans ces interneurones. Et ces Western blot vous montrent en fait que lorsque P27 n'est pas exprimé dans des tissus provenant d'éminences ganglionnaires, eh bien nous avons une augmentation très significative de la phosphorylation de la chaîne légère qui signe une augmentation de l'activité de l'actomyosine et donc des contractions d'actomyosine qui ont lieu pendant le mouvement. Alors il nous est malheureusement impossible de suivre
en direct par timelapse l'activité de la myosine 2, mais nous pouvons le faire de façon indirecte, en utilisant une sonde appelée UTROF-GFP. Cette sonde est basée sur un élément de l'utrophine qui se fixe à l'actine filamenteuse, fusionné à la GFP, ce qui nous permet en fait de localiser les régions où l'actine filamenteuse se condense et qui reflète les régions de contractilité. Vous pouvez voir ici la colocalisation de ces régions avec les régions où la myosine 2 est active. Alors, à l'aide de cette sonde et à l'aide de la microscopie confocale et du timelapse, nous pouvons mesurer la condensation de l'actine en live dans la cellule qui va subir une nucléokinèse. La GFP est pseudocolorisée en feu, en couleur de feu. Ça nous permet non seulement de voir où se trouve le signal, mais également de mesurer son intensité. Donc vous avez ici une cellule, il s'agit d'un interneurone wild type, avec la distribution en live de cette contractilité. Donc vous voyez qu'il y a une activité extrêmement importante dans le cône de croissance qui est en train de former les branches, mais également à l'arrière du noyau, et ceci est important pour pousser le noyau pendant la nucléokinèse. Cette séquence d'activation est conservée chez le mutant, dans la cellule dépourvue d'expression de P27, mais le temps d'activation et l'intensité de l'activation est beaucoup plus importante, que ce soit derrière le noyau, et ceci est mesuré par cet histogramme, mais également dans le cône de croissance qui va former les branches, ce que je ne vous montre pas ici. Alors, la séquence est conservée. Vous voyez une activation beaucoup plus longue. Et également, je l'ai décrit tout à l'heure, des nucléokinèses plus importantes, donc une fréquence de nucléokinèses plus importante, avec une réduction de la distance de déplacement. Donc nous pensons que, en l'absence de P27, la voie de signalisation impliquant ROA et la myosine 2 est dérégulée, et nous avons donc une hyperactivation de la myosine 2 qui contribue au défaut de contractilité que je vous ai montré et qui sous-tend probablement le problème de migration. Là, l'étape suivante était de le démontrer. Ce que nous avons fait par microscopie confocale et enregistrement en temps réel, timelapse, nous avons décidé de tenter de corriger les défauts que je viens de décrire, nucléokinèse et branchement, en traitant les cultures d'interneurones dépourvues d'expression de P27 avec différents bloqueurs pharmacologiques ou à l'aide d'une approche génétique. Pour résumer, nous voyons que ces approches permettent de restaurer la fréquence de nucléokinèse ainsi que la formation de nouvelles branches neuritiques. Cependant, nous voyons que l'extension des neurites reste affectée. Il semble donc que P27 soit important pour contrôler la nucléokinèse et le branchement via cette voie de signalisation, mais que P27 agisse via une autre voie de régulation pour permettre l'extension des neurites pendant le mouvement. Et pour résumer également, nous avons décidé de regarder les microtubules, parce que nous savons que les microtubules doivent polymériser et se stabiliser pour permettre l'extension des neurites. Donc l'hypothèse a été de voir, enfin de postuler que P27 devait être capable de contrôler d'une certaine manière la dynamique des microtubules. Pour tester cette hypothèse, nous avons réalisé une analyse de comètes. Alors, je vous explique. Nous avons des cellules qui sont wild-type ou dépourvues d'expression de P27, que nous transfectons avec une construction de type IB3-GFP, IB3 étant une protéine qui se fixe de façon transitoire, très transitoire, à l'extrémité croissante des microtubules, l'extrémité plus, et qui est fusionnée à la GFP, ce qui nous permet de suivre la croissance des microtubules en live. Et voici un film qui vous montre le déplacement de ces comètes. La mesure de vitesse du déplacement de ces comètes reflète directement le taux de polymérisation des microtubules. Et vous voyez que lorsqu'on réalise cette expérience dans des cellules dépourvues d'expression de P27, nous avons une réduction significative de la vitesse et donc du taux de polymérisation des microtubules. Défaut qui peut être corrigé en réexprimant P27 dans ces cellules qui étaient dépourvues de P27. Nous montrons également par microscopie en super résolution,
ce qui nous permet d'atteindre des échelles de l'ordre des dizaines de nanomètres. Ça doit être 100 nanomètres ici. Vous avez ici un microtubule unique qui est décoré par P27. Ceci suggère une interaction entre les protéines que nous démontrons par immunoprécipitation, mais également par co-sédimentation in vitro, et je ne donnerai pas le détail, ce qui nous permet en fait de dire, et c'est la première fois que cela est montré, que P27 est également une protéine directement associée au microtubule, une MAP, Microtubule Associated Protein. Ces protéines sont connues comme étant importantes pour contrôler les microtubules, et nous avons ensuite décidé de déterminer quels étaient les domaines impliqués dans le contrôle de l'interaction et de la polymérisation des microtubules par P27. Et nous avons identifié ce domaine riche en proline qui, lorsqu'il est muté, empêche la polymérisation. Et je vous montre ça ici. Donc, vous vous souvenez de cette expérience où nous mesurons le taux de polymérisation. Il est inférieur lorsque P27 n'est pas exprimé. Il est corrigé dans ces cellules knockout lorsqu'on réintroduit la forme pleine longueur de P27, mais pas celle dépourvue de ces quatre prolines qui ont été mutées et remplacées par des alanines. Cela suggère que ce domaine est nécessaire pour permettre à P27 de promouvoir la polymérisation des microtubules. Donc je vous ai parlé de l'extension des neurites et nous avons postulé à l'époque que P27 était capable probablement de contrôler la dynamique des microtubules. Alors est-ce que cela est nécessaire pour l'extension des neurites? Vous avez ici un interneurone avec des neurites de différents ordres. Les résultats sont les mêmes pour tous les ordres, donc je vais me consacrer à vous expliquer ce qui se passe au premier ordre. Donc vous voyez ici, sur cet histogramme, en noir, c'est la valeur de la longueur du neurite primaire en condition contrôle. En rouge, vous voyez le défaut significatif lorsque P27 n'est pas exprimé. Et ce défaut peut être corrigé uniquement par expression de forme de P27 qui exprime ce domaine enrichi en proline. Donc, ceci est la démonstration que P27 contrôle l'extension neuritique via ce petit domaine moléculaire. Alors, l'extension neuritique est-elle importante pour la migration? Et ceci est la dernière expérience pour cette partie. Nous avons décidé de tenter de restaurer la migration des interneurones lorsque P27 n'était pas exprimé, en réexprimant différentes formes de P27, et notamment celles qui n'étaient plus capables d'interagir soit avec la voie actomyosine ou avec la voie des microtubules. Donc vous avez ici le type d'expérience que nous avons réalisé. Il s'agit de tranches de culture organotypique. Nous injectons et électroporons les interneurones avant leur sortie du cerveau ventral, et nous mesurons leur migration et leur pénétration dans le cortex. Donc vous avez ici par exemple une demi-coupe à travers le cerveau antérieur d'embryon wild type, pardon. Nous injectons la GFP, 3 jours plus tard vous voyez que ces interneurones colonisent le cortex. Ce n'est pas le cas lorsque de la GFP est électroporée dans des mutants P27. Alors, vous voyez que, et c'est cette barre-ci, vous voyez que par rapport au défaut, on peut restaurer le défaut en électroporant P27, en remettant du P27 dans des tranches qui sont dépourvues de P27. Ce qui est intéressant, c'est que des formes mutantes incapables soit d'interagir avec l'actomyosine, soit d'interagir avec les microtubules, ne restaurent que partiellement l'activité. Et donc, ceci suggère que P27 est un chef d'orchestre important pour le contrôle de la migration des interneurones, et ceci en agissant sur deux voies de mécanismes de moléculaires indépendantes. Une première voie via un domaine que nous avons répertorié en C-terminal, qui contrôle la transduction à travers la voie de signalisation ROA myosine 2, qui est importante pour le contrôle de la nucléokinèse, mais également des étapes initiales du branchement dynamique. Et nous montrons, et c'est le take-home message de cette partie, que P27 est également une protéine associée aux microtubules qui promeut la polymérisation des microtubules, et ceci est important pour l'extension dynamique des microtubules, des neurites. Et donc ces deux fonctions sont importantes pour permettre une migration ad hoc des interneurones dans le cortex cérébral. Je vais ensuite passer à l'explication d'une autre recherche menée au sein du laboratoire qui a trait à la migration des neurones de projection. Les neurones de projection, comme je vous l'ai dit, sont nés
dorsalement à partir de progéniteurs et de cellules souches qui génèrent des vagues successives de neurones de projection, colorées ici, qui migrent en vagues pour s'installer de façon inside-out dans le cortex, 6 couches. Durant cette migration, ces neurones de projection subissent également des modifications morphologiques importantes. Vous avez par exemple cette étape qui est cruciale, qui est l'étape multipolaire. Il s'ensuit une repolarisation, et donc les cellules deviennent bipolaires, ce qui leur permet de rentrer en locomotion sur les fibres de la glie radiaire. Pour cette partie, nous avons décidé de nous intéresser à la régulation épigénétique de la migration des neurones de projection, en nous focalisant sur les petits ARN non codants appelés micro-ARN. Ces micro-ARN agissent principalement en bloquant la traduction d'ARN messagers spécifiques. Ces micro-ARN subissent 2 étapes de maturation. Une étape de maturation nucléaire sous l'activité de l'enzyme DROCHA et cytoplasmique sous l'activité de l'enzyme DICER. Alors il existe déjà toute une série de travaux qui montrent, qui décrivent plutôt l'existence de petits micro-ARN qui contrôlent différentes étapes de la maturation corticale. La seule niche qu'il nous restait à l'époque était le contrôle de la migration. Quels sont les micro-ARN importants pour le contrôle du mouvement et quelles sont les cibles de ces micro-ARN? C'est la question que nous avons décidé de poser. Alors, il était important d'agir strictement sur les neurones postmitotiques en évitant de moduler l'expression des micro-ARN dans les progéniteurs parce que nous savons, ça a été publié et nous l'avons montré au laboratoire, que modifier l'expression des micro-ARN dans les progéniteurs influence leur spécification et leur capacité donc à générer des neurones de façon ad hoc. Afin d'invalider l'expression, ou plutôt afin d'empêcher la maturation des micro-ARN dans les neurones nouvellement formés, nous avons décidé d'invalider conditionnellement DICER, qui est cette enzyme qui est nécessaire pour la maturation cytoplasmique de ces micro-ARN. Nous avons injecté les embryons caractérisés par des sites LOX-LOX avec des vecteurs qui expriment la cré-recombinase ou simplement la GFP. La particularité de ces vecteurs est qu'ils sont exprimés sous la dépendance d'une séquence régulatrice de gènes postmitotiques. Ceci nous a permis de réaliser des électroporations. Nous avons ensuite purifié les cellules par fax de façon à analyser l'efficacité de la déplétion de DICER dans le système. Et vous voyez que les cellules provenant de cortex électroporé avec la cré-recombinase, eh bien, sont dépourvues de façon significative de messagers codants pour DICER. Ayant validé ce modèle, nous avons ensuite décidé de mesurer la migration des neurones de projection. Et donc vous voyez ici, l'électroporation a été réalisée au jour embryonnaire E14 et l'analyse est réalisée après la naissance. Lorsque DICER est validé de façon conditionnelle dans les neurones de projection, vous voyez qu'il y a un problème de mise en place de ces neurones. Ils n'atteignent pas les couches supérieures lorsque DICER est invalidé. Il s'agit d'un problème de migration parce que ces cellules que l'on retrouve dans les couches inférieures expriment des marqueurs de couches supérieures. Alors je vais vous montrer 2 films qui résument le phénotype de migration. Car nous avons décidé de mieux comprendre pourquoi ces cellules étaient bloquées à cet endroit. Les cellules multipolaires, je vous en ai parlé tout à l'heure, doivent se repolariser pour entrer en locomotion sur la glie radiaire et migrer. C'est ce que fait la cellule wild type. Elle est multipolaire et devient bipolaire. Nous avons des enregistrements en vidéomicroscopie de 10 heures. La cellule invalidée pour DICER, quant à elle, reste multipolaire pendant les 10 heures d'enregistrement. On a donc un déficit de conversion multipolaire-bipolaire, un problème de transition morphologique, lorsque DICER n'est pas exprimé correctement. Vous voyez ici que certaines cellules finalement arrivent à bon port. Cela veut dire que la locomotion doit avoir lieu. Nous avons donc ensuite étudié la locomotion.
Pendant la locomotion, la cellule bipolaire doit rester bipolaire, en condition contrôle. Oups, excusez-moi. Par contre, la cellule multipolaire, c'est pourquoi ça ne tourne pas en boucle, voilà, devient multipolaire. Donc en fait, il y a un problème de conservation de la morphologie bipolaire lorsque Dicer n'est plus exprimé. En gros, Dicer n'étant pas exprimé, nous voyons que la cellule a du mal à adopter la morphologie adéquate pour pouvoir se déplacer. Ce qui explique le problème que nous observons ici de rétention de cellules dans les couches profondes du cortex. Alors ensuite, nous avons décidé de mieux comprendre quels étaient les mécanismes agissant en aval de Dicer, puisque lorsqu'on enlève Dicer, on empêche la maturation de l'ensemble des micro-ARN. Alors la première étape a été d'essayer d'identifier des cibles de ces micro-ARN en comparant par puce micro, par micro-array, pardon, le contenu de gènes dans des cortex sauvages versus ceux où Dicer avait été validé. Et nous avons ici une sélection choisie de gènes dont nous connaissons leur importance pour le contrôle de la motilité dans différents systèmes. Nous avons décidé de valider cette modification d'expression, soit une surexpression ou une réduction à l'absence de Dicer. Et de façon surprenante, nous voyons qu'uniquement Corest semble être dérégulé dans notre système. Corest est en fait exprimé, nous le montrons, de façon dynamique dans le cortex, s'accumule dans la région postmitotique où les neurones se différencient. Corest est donc une cible intéressante et nous avons décidé de déterminer quels étaient les micro-ARN capables de cibler Corest, ou plutôt sa 3' UTR, et qui étaient exprimés de façon abondante dans le cortex en développement. Pour ce faire, nous avons couplé une analyse par micro-ARN de micro-ARN à différentes étapes clés du développement cortical avec des logiciels de prédiction qui nous permettent de définir quels seraient peut-être les micro-ARN capables de cibler la 3' UTR de Corest. Et vous voyez que ces 3 micro-ARN qui présentent une abondance relative sont localisés dans le cortex embryonnaire, ce sont des hybridations in situ, et par PCR quantitative, nous montrons dans la corde de cellules électroporées que ces 3 micro-ARN sont faiblement maturés, et donc que l'absence, ou plutôt la validation de Dicer, impacte directement sur la maturation de ces 3 micro-ARN. Alors il s'agit de prédictions. Ces sites nous donnent des prédictions. Nous avons donc dû valider l'efficacité de ciblage de ces micro-ARN, la 3' UTR de Corest par ces micro-ARN. Et je résume également ici, nous avons utilisé des essais luciférases et montré que seuls MIR22 et MIR124 étaient capables de cibler Corest. Nous avons donc deux candidats micro-ARN capables éventuellement de contrôler la migration des neurones de projection. Afin de montrer cela, nous avons utilisé l'électroporation in utero d'embryons sauvages dans lesquels nous avons exprimé des vecteurs dits éponges. Ces vecteurs éponges, qui sont des bloqueurs de micro-ARN endogènes, permettent finalement, grâce à ces séquences répétitives qui possèdent une séquence d'affinité pour ces micro-ARN endogènes, vont permettre de scavenger, de trapper ces différents micro-ARN 22 ou 124 dans les cellules post-mitotiques, puisque ce vecteur est également exprimé sous la dépendance de NeuroD. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt pas mal, puisque lorsque on bloque MIR22 ou MIR124, ou encore les deux micro-ARN endogènes, nous avons un blocage massif de la migration radiaire des neurones de projection, qui mime, dans une certaine mesure, la déplétion aiguë de Dicer dans ces mêmes cellules. Donc, nous montrons ici qu'il y a deux micro-ARN importants pendant le développement cortical pour la régulation de la migration des neurones de projection, et ceci via leur capacité à cibler la 3' UTR de Corest et donc à limiter l'expression de Corest. Or, Corest est un cofacteur d'un complexe transcriptionnel qui inclut REST, qui est appliqué dans l'inhibition transcriptionnelle de gènes appliqués dans la différenciation neuronale. Et nous montrons en fait, et je résume, que Corest contrôle l'expression de la double cortine, qui est une protéine associée aux microtubules, impliquée dans la stabilisation des microtubules. Donc lorsque les micro-ARN 22 et 124 ne sont pas maturés correctement, nous avons une surexpression de Corest qui a une influence négative sur la transcription de la double cortine.
Ce travail vient d'être publié. Et ce qui est important de signaler, c'est que la double cortine est un gène ciblé dans la lysencéphalie. Donc en fait, aujourd'hui, je vous ai parlé du travail au laboratoire dans une direction bench to bedside, c'est-à-dire qu'il est important de mieux comprendre les mécanismes du développement cortical afin d'élucider de nouvelles voies moléculaires qui pourraient être ciblées dans certaines maladies. Et nous avons également une recherche active bedside to bench avec une collaboration que nous avons nouée avec des neurogénéticiens qui nous informent de nouvelles mutations sur des gènes dont les fonctions sont inconnues. Nous étudions les fonctions de ces gènes et l'impact des mutations incriminées. Je terminerai en remerciant mon équipe et en tout particulier les chercheurs qui ont directement contribué aux résultats que vous avez entendus aujourd'hui. Marie-Laure Volver et Pierre-Paul Prévon étaient impliqués principalement dans l'étude des micro-ARN et de la migration des neurones de projection. Juliette Godin et Sophie Lagues dans la partie initiale sur P27. Voici l'ensemble de mes collaborateurs nationaux et internationaux et les fonds qui soutiennent notre recherche, que je remercie également. Merci à vous pour votre attention. Merci, M. Nguyen, pour votre lecture de très haut niveau. Je passe la parole maintenant à nos collègues qui ont des questions à poser. Je vous en prie. C'est une question tout à fait béotienne, mais j'ai assisté dimanche après-midi, d'ailleurs avec M. Brocci, à une après-midi d'études sur le cerveau. Et on a démontré l'importance des micro-ARN, si j'ai bien compris, notamment sur la maladie d'Alzheimer. D'accord. Ah oui, c'est possible. Il y a toute une série de travaux qui relatent l'importance qu'ont les micro-ARN dans différentes maladies neurodéveloppementales, mais également neurodégénératives. Je ne connais pas bien le domaine de la maladie d'Alzheimer, donc je ne peux pas vous donner d'exemple concret. Mais effectivement, il y a des régulations d'expression de micro-ARN qui contribuent probablement à la pathologie. Oui, Madame Noël. Oui, merci. Merci pour cet exposé. Quelle est la spécificité de l'effet de P27 sur la migration cellulaire? Est-ce que c'est spécifique de neurones ou on peut le retrouver dans d'autres cellules? C'est une excellente question. En fait, mon collaborateur à Toulouse travaille sur le cancer et P27 contrôle également la migration de cellules cancéreuses, par exemple, via des systèmes assez similaires, une activité de régulation du cytosquelette de l'actine, notamment. Et des mutations, parce qu'il faut savoir que P27 est exprimé à la fois dans le noyau et dans le cytoplasme, il y a donc un shuttling, et certaines mutations pour modifier ce shuttling et exacerber l'activité cytoplasmique dans certains cancers. D'autres questions? Oui, Gustave. S'agissant de la migration, et changeant de domaine en restant dans la migration, si on veut réparer le cerveau, évidemment, on ne va pas faire des greffes de parenchyme, on va évidemment pouvoir exclusivement faire des greffes de cellules. Et depuis le début, on fait ces greffes-là, et en particulier maintenant les greffes de cellules souches pluripotentes induites, se pose le problème de leur migration vers l'endroit où on veut qu'elles agissent, puisque la plupart des pathologies sont maintenant, c'est bien connu, des pathologies de réseau plutôt que des pathologies focales. Est-ce que ça est applicable ou est-ce que ça permet de comprendre comment se ferait la migration d'une cellule étrangère dans un parenchyme normal ou lésé? Est-ce qu'on peut imaginer une guidance neuronale dans un parenchyme normal ou lésé? Voilà, c'est en fait ma question. Tout d'abord, je tiens à souligner le fait que les greffes de cellules souches pluripotentes en sont à leur balbutiement et que... Il y a effectivement un problème de migration, mais surtout de dédifférenciation et de prolifération. Donc, dans la plupart des études qui décrivent ce type de travaux, il y a démonstration que ces cellules ne sont pas capables de se différencier correctement, et donc leur maturation est relativement limitée. Alors, en ce qui concerne la migration, ça dépend de l'endroit, évidemment. Je pense que dans le cortex, malheureusement, il ne reste pas énormément de signaux moléculaires nécessaires pour l'attraction de ces cellules vers les régions adéquates. Maintenant, une région lésée devrait pouvoir sécréter certaines substances
à identifier, qui permettrait éventuellement de recruter ces cellules. Il faudrait peut-être modifier ces cellules de façon à ce qu'elles puissent répondre spécifiquement à ce type de signaux. Monsieur Dress. Oui, j'ai une petite question. Au niveau de l'association entre P27 et les microtubules, oui. Est-ce que c'est MAP2 qui est impliqué, qui est la protéine la plus abondante à ce niveau-là? Alors, en fait, ici, ce que j'ai tenté de montrer, c'est que P27, qui était connu jusqu'à présent comme un interactant des CDK, un bloqueur de l'activité des CDK, a également une activité envers les microtubules. Et il s'agit, je ne l'ai pas montré directement parce que c'est un peu complexe, d'une interaction physique. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. P27 est sur les microtubules, contrôle leur polymérisation. MAP2 étant une autre protéine associée aux microtubules. Monsieur Casimir. Merci pour votre exposé. Lorsqu'on a chez les très petits enfants, notamment les prématurés, des situations liées à une hypoxie importante ou au contraire à un climat de cytokines inflammatoires, est-ce qu'on a des éléments permettant de voir si c'est notamment un climat riche en cytokines inflammatoires influence la migration neuronale? Je pense que ça n'a jamais été étudié chez l'homme. Et je ne pense pas qu'il y ait des modèles animaux qui ont été entrepris pour poser cette question qui est intéressante, je pense. Monsieur Lefebvre. Juste une question sur P27 encore. P27 est aussi impliqué dans la prolifération cellulaire, notamment dans l'oreille, qui est un domaine que je connais. Et dans l'oreille, quand on inhibe P27, on augmente drastiquement le nombre de cellules ciliées. Il y a deux questions là en dessous. Est-ce que cette modification et cette prolifération possible est aussi par l'intermédiaire d'une interaction avec les microtubules ou les systèmes qui jouent un rôle dans les mitoses? Ça, c'est une première chose, première question. Deuxième question, est-ce que on observe aussi ce genre de choses lorsqu'on bloque P27 dans un cortex cérébral? Est-ce qu'il y a une augmentation des mitoses aussi? Alors ici, j'ai vraiment décrit les fonctions post-mitotiques de P27, mais évidemment, comme vous le soulignez, P27 est un régulateur du cycle. Et donc, lorsqu'on module l'expression de P27 dans les progéniteurs du cortex, on altère leur prolifération. C'est un frein à la prolifération, et donc évidemment, on augmente le nombre de mitoses. C'est intéressant que vous souligniez le fait que P27 a aussi un effet dans l'oreille. Alors, est-ce que c'est un effet lié à sa capacité à réguler la prolifération ou un autre effet sur, par exemple, les microtubules, comme vous le soulignez? C'est une question intéressante parce que nous pensons que P27 est un peu une protéine qui sert à plusieurs fonctions. Et dans le cadre de l'oreille, ce n'est pas clair, je pense, actuellement, de savoir si c'est la dérégulation de la prolifération ou l'activité que P27 pourrait avoir envers certains substrats qui modifieraient leur spécification. Alors, pour revenir aux microtubules, P27, nous montrons qu'il est effectivement capable de s'associer aux microtubules dans les cellules post-mitotiques. Et nous avons donc décidé de réanalyser, c'est ce que nous faisons actuellement, le dogme par lequel P27 contrôle la prolifération uniquement via les CDK. Nous pensons que, par exemple, la séparation des microtubules pourrait être dépendante, la séparation des chromosomes, pardon, pourrait être dépendante de la régulation de P27. Il faut parfois faire attention parce que dans le cas de l'oreille, par exemple, le fait d'avoir plus de cellules ciliées, notamment en bloquant P27, fait que ces animaux sont sourds. Ils ont d'autant plus de cellules ciliées qu'ils sont sourds. Parce qu'on change la balance avec les cellules de soutien Je ne sais pas. Je pense que c'est plus un problème de régulation de micromécanique, mais ils sont extrêmement sourds. D'accord. Donc parfois, augmenter le nombre de cellules n'est pas nécessairement tout à fait souhaitable, en tout cas dans ce cas particulier-là. Merci beaucoup. Merci, M. Constantinescu. Excellent exposé. Je me demandais si vous avez regardé un peu les cellules souches neuronales, parce que dans le système hématopoïétique, P27 est très importante à maintenir la quiescence des cellules souches hématopoïétiques. Avez-vous regardé dans la région sous-ventriculaire qu'est-ce qui se passe avec les cellules souches neuronales? Alors, nous, personnellement, non, mais un groupe à New York a regardé la fonction qu'avait P27 dans la régulation de la neurogenèse adulte dans la zone sous-ventriculaire, c'est ça que vous faites allusion, je pense. Et il montre que lorsque P27 n'est pas exprimé, ce n'est pas la quiescence qui est altérée, mais plutôt le comportement de progéniteurs intermédiaires. Il y a donc une surprolifération de ces progéniteurs intermédiaires. D'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens une fois de plus à vous remercier et vous féliciter pour votre lecture.